Atrás de todo director hay un ser humano. Y haciendo una lectura de los títulos y de su trabajo, mi pregunta es, ¿usted ha tenido un amor no correspondido? Peut-être, oui, c'est possible. Mais pourquoi est-ce Alors, donc, la question, c'était, est-ce que j'ai eu un amour, quoi, un impossible, inassouvi? Un amour pas réciproque. Un amour pas réciproque? On vit que ça. Enfin, je veux dire, on a tous eu des amours pas réciproques, bien sûr. Mais de toute façon, les amours, les râles amoureuses ne sont pas très... très épanouissante à vivre, mais au moins ça forme. Mais les histoires d'amour unilatérales, qui ne sont pas correspondues, ne sont pas les plus agréables, mais sûrement si nous enseignons. Mais ça dit, je ne crois pas du tout qu'on soit obligé d'être malheureux pour être cinéaste. Je crois que c'est une félicité à ser cinéaste. Non. D'un seul coup, il y avait un souci de météo, de raccord lumière qui n'existait plus et qu'on était obligé de chambouler le plan de travail. Il disait, ok, il comprenait ça, alors que les acteurs ne comprennent pas toujours. Par exemple, il y avait que le climat était cambiando et que provocaba un problème avec les luces. Tout ça, il le pouvait entendre très bien, choses que à veces les acteurs ne comprennent pas bien. On peut croire que de faire un film avec un acteur qui est également metteur en scène, est compliqué ou intimidant, et c'est exactement le contraire. Vous pourriez penser que c'est plus compliqué de diriger à un directeur, mais non, tout le contraire. Et puis pour lui, c'était des vacances, parce qu'un tournage, il sait ce que c'est, à quel point c'est prenant un tournage pour un metteur en scène. Et pour lui, c'était comme vacances, parce qu'il savait tout ce qui implique être le directeur d'une película. Et il se rendait compte que l'acteur, c'était vraiment super. Et alors il disait à Juliette Binoche et à Daniel Auteuil, vous faites vraiment un métier de fainéant. Il disait à Juliette Binoche et à Daniel Auteuil que hacían un travail de perezosos. Il leur disait, regardez Patrice, il travaille comme une brute alors que vous foutez rien. Il disait à Juliette et à Daniel, mira, ustedes no hacen nada. Et Patrice está trabajando durísimo. À Daniel Auteuil, ça le faisait marrer, mais Juliette, moi. À Daniel, s'il est passé à la soirée, à Juliette, notamment. Je te vais contester, parce que je n'ai pas vu absolument rien. Quel prénom? Gaston. Gaston Ramiro. Gaston, sans blague. Nous avons été en périodistes et tout, mais Lima n'a pas vu. La gente esperando la colita para la firma. En la cola se encuentra Eduardo Chesty. Chesty, le conté. Eduardo. Le conté con. En français, hein? En français, je sais. Ya está presionada. ¿Cómo se llama? Lima Gris. Donc c'est pour Lima Gris. Ça tourne. Pour Lima Gris. Gracias. Pour Lima Gris. Pour Lima Gris. Susi Zavala, Club de Teatro Miraflores. Susi Zavala. Susi. Okay. Susi. 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 Susi
Quoi? Julie. Elle est présente pour les quatre mousquetaires. Julie. Comment ça s'écrit? J-U. J-U-L-Y. J-U-L-Y. Julie, avec un Y à la fin. Ah, c'est quoi la question que je viens de dire? C'est parce que j'essaie de gagner des prix marques. C'est une revista espagnole que tu vas connaître. Ah ah. En 2016. Pour faire un article et. Para acá me dice el profesor. ¿Cuál es el estilo de la vera? Chao, gracias. Este, Manuel Antonio. Uno de Manuel Antonio. Chao, gracias. Pues. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Sí, sí, por aquí. Oui, mais avant, une petite question.